Salut, c'est Julien Masson. Aujourd'hui, dans Un jour, une rando, nous sommes à 20 km de Biarritz, au départ du petit village d'Asquin, typiquement basque. Nous nous lançons à l'assaut du sommet de la Rune, sommet le plus important de la chaîne pyrénéenne depuis la côte atlantique. Un beau dénivelé qui va nous permettre de découvrir quelques merveilles du paysage basque, notamment le petit train de la Rune. N'allez pas les caresser derrière, les toucher, les embêter. Ils voient des fois 4000 personnes dans la journée. D'envergure. Donc c'est quand même énorme. Vous avez vu tout à l'heure, alors tout à l'heure il planait. GPN au lycée donc Saint-Christophe à Saint-Pé-sur-Nivelle. Du coup j'ai fait donc mon stage donc de mon BTS donc ici donc sur le site du train de la Rune où j'ai créé mon animation donc le petit explorateur où je parle un petit peu des vautours, la flore, des petits jeux avec les enfants pour toucher la laine de brebis par exemple ou des plumes. Du coup c'est très enrichissant de, en fait de voir tous ces enfants, leur expliquer des choses, donc, voilà, les sensibiliser un petit peu à la nature, aux animaux qui nous entourent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui plaît, en plus la nature, parler de ça aux enfants. On y va voir ? Je travaille dans un cadre comme ça, c'est quand même chouette. Hein. Avec une vue à 360 degrés donc sur la mer, la montagne, avec le petit train. 1924, donc il y a 91 ans cette année. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Présente-moi quelque chose. C'est bien. C'est bien, toi, promener bien. Tu aimes bien l'endroit? Oui, j'adore. C'est ton première fois? Non. Non? Tu fais des exports? Oui. Oui. Ok, comment tu t'appelles? Robert, monsieur. Ok, c'est cool, merci.
européenne, donc gestion et protection de la nature. Donc je compte plus tard poursuivre mes études en licence SIG, donc système informatique géographique, pour faire donc, réaliser des cartographies pour les espèces et tenter mon concours pour entrer à l'ONCFS. Donc une forte diversité de poissons présents donc, sur le golfe de Gascogne, sur la côte basque. Ça nous a permis d'enrichir nos connaissances sur différentes espèces. Nous avons pu également assister donc, à un nourrissage de phoques qui était très enrichissant. Nous avons également donc, observé donc, des aquariums d'oiseaux de poissons tropicales donc, qui venaient plutôt des Caraïbes. Ensuite, nous sommes allés donc, à la cité de l'océan. Nous avons pu observer donc, le fonctionnement donc, des fonds marins, les abysses, etc. Et donc là, aujourd'hui, donc, nous sommes sur la rue, donc, qui est une montagne située à 200 mètres d'altitude. Nous avons eu une animation par l'animatrice Elodie, qui nous a raconté donc, les différentes espèces animales. Ok, bye bye. Mm-hmm.
dans le tuna. Hop, 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 hé oh. Wimpo. Ok, pivotard là. Pomelo. Despicable me.